Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse aujourd'hui avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est auteur et réanimateur, anesthésiste réanimateur, c'est ça? Oui, anesthésiste réanimateur et aussi conférencier, écrivain. Ouais. Ça commence à prendre pas mal d'ampleur tout ça. Ouais. On vous voit souvent à la télé, hein, à la radio, vous avez écrit plein de livres dont celui-ci, votre petit dernier, Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà. Donc Guy Trédaniel, les éditions Trédaniel, une fois de plus, qui édite tous ces beaux ouvrages quand même qui sont importants à diffuser cette information. C'est primordial, particulièrement en ce moment, et des témoignages comme le vôtre de la vie au-delà de la mort, d'une formation scientifique. Vous témoignez d'histoire, c'est ça, de raison de croire qu'il y a autre chose après la mort. Oui, je crois qu'il est grand temps de secouer le cocotier de la pensée matérialiste, et qui est dominante et qui intoxique même le monde scientifique. Donc je crois qu'il est grand temps que des éditeurs aussi courageux que Guy Trédaniel, qui publie des livres quand même à risque, s'expriment à travers ses auteurs. Donc moi je ne suis qu'un maillon, je suis là pour transmettre les témoignages, puis qui en fait... sont les plus importants. L'essentiel, c'est quoi? C'est mes plus grands professeurs, c'est pas les professeurs d'université. Ce sont ceux qui ont vécu ces expériences donc de mort clinique, de mort provisoire. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup d'en parler pour plein de raisons. Et surtout venant de vous, je sais que c'est très, très courageux pour vous de come out, comme on dit aux États-Unis, d'en parler devant vos collègues. Comment c'est reçu tout ça dans la clinique? C'est pas courageux parce que pour être courageux, il faudrait affronter une peur. Et il se trouve que je n'ai pas peur. Voilà. Donc je suis pas courageux. Je serais beaucoup plus mal à l'aise de ne pas en parler de tout ça. Parce que ce sont des choses qui sont tellement évidentes que, qui continuent à être difficiles à communiquer. Donc moi je fais ça de façon naturelle. Mes collègues de travail, des chirurgiens qui sont avec moi, les infirmières savent ce que je fais, m'aident aussi. Il n'est pas rare qu'un chirurgien me dise « Tiens, va chambre 18, là, il y en a encore un qui a eu une expérience pendant une anesthésie, il est sorti de son corps, il a vu ce qui se passait, il est allé voyager dans un autre bloc. » Bon, voilà. Donc tous ces témoignages qui avant étaient occultés, il y avait l'omerta là-dessus, actuellement donc commencent à être connus grâce à cette levée de voile devant tous ces témoignages qui avant étaient complètement occultés. Oui, il l'était, oui, c'est par peur, hein, parce qu'il y en a eu de nombreux témoignages depuis... Bien sûr, on a vraiment l'impression, même quand on lit ces récits de mythologie, qu'ils ont toujours existé, le mythe d'Ère de Platon, etc. Donc on voit bien que tous ces témoignages existent depuis que l'homme est homme, et il y avait simplement une difficulté, à partir de ce siècle surtout, de communiquer sur ces expériences de mort provisoire. Et alors, comment ça s'est passé pour vous? Quand est-ce que vous en êtes rendu compte de tout ça? Parce que vous avez une formation scientifique à la base quand même rigoureuse, donc il y a une certaine façon de penser qui doit être très logique, très rationnelle. Et là, on parle de l'intangible, du immesurable. Oui, c'est vrai. Il faut bien reconnaître une chose. J'étais, je dirais, un abruti intégral. Mais vraiment. À la fin de mes études universitaires, j'étais sûr que nous étions voués au néant une fois la mort arrivée. Et j'ai eu une expérience extraordinaire, personnelle, qui a bouleversé ma vie. Donc je suis devenu de l'abruti intégral, mais au sens étymologique, c'est-à-dire abruti par des études universitaires longues et compliquées, qui vous disent que ça fonctionne comme ça et pas autrement. J'ai eu cette expérience en SAMU. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la médiumnité, donc de l'abruti intégral, je suis devenu abruti moyen. Et puis ensuite, j'ai essayé de comprendre comment les choses fonctionnaient. Je ne comprends toujours pas, mais au moins, je m'interroge. Et le seul fait de s'interroger, je dirais, ça dénote une certaine ouverture d'esprit qui est salvatrice dans notre mode occidental qui est comme ça, qui est ancré dans la pensée matérialiste. Alors cette expérience en SAMU, en deux mots... je me trouvais donc faisant des études pour devenir, en fin d'études pour devenir médecin généraliste. Je me trouvais donc sur un accident grave
Avec un blessé qui était coincé dans sa voiture, qui était donc incarcéré, on dit comme ça, jusqu'à la partie inférieure de son thorax. Et là, il fallait absolument que je le perfuse pour éviter l'arrêt cardiaque. Et du fait de mon incompétence, de mon inexpérience, je ne suis pas arrivé à le perfuser. Donc, malheureusement, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire il est mort sous mes yeux. Et là, j'ai vu sa pupille qui se dilatait, comme le fait une tache d'encre sur un buvard, c'est tout doucement la vie qui s'échappe. Une étincelle de vie qui part, et surtout j'ai senti physiquement une présence qui partait de ce corps par le haut de son crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite. Et c'était une présence qui était vivante et joyeuse. Alors, c'est une expérience, on appelle ça maintenant les expériences de mort partagée, Raymond Moody en parle. Et moi, à ce moment-là, j'ai repensé à ce livre de Raymond Moody, La vie après la vie, où les gens disaient être sortis de leur corps, la plupart du temps par le haut de leur crâne. Et j'ai dit, mais c'est ça, nous sommes un esprit incarné dans un corps, et au moment de la mort, cet esprit continue à vivre. Et ça, je l'ai ressenti en tant que témoin de la mort. Et beaucoup de témoignages, après, me sont parvenus, du moment que je me suis intéressé à ce sujet, de soignants qui ont vu des fumées s'échapper du corps au moment de la mort, qui ont senti aussi, comme je l'ai ressenti, des présences vivantes quitter le corps au moment de la mort. Tous ces ressentis ne sont pas le fait d'hallucinations, parce que le cerveau des témoins est tout à fait bien oxygéné, il n'y a pas de problème. Comme on pouvait le dire pour les expériences de mort provisoire, on disait tout ça c'est un manque d'oxygène au cerveau, c'est le catabolisme, etc. Là, ça ne tient pas. Là, les témoins sont là, les gens... Ils sont nombreux. Alors les témoins qui ont vécu l'expérience de mort provisoire sont très nombreux. Il y aurait 4% de la population occidentale qui aurait vécu ça, c'est considérable. Ça fait 12,5 millions d'Américains, ça fait 2,8 millions de Français, enfin c'est beaucoup, on ne peut plus nier cette expérience-là. Et aujourd'hui, on doit être capable, nous, en tant qu'anesthésistes, en tant que réanimateurs, en tant que praticiens, en étant au chevet de patients qui se réveillent, de pouvoir recueillir les témoignages, c'est-à-dire de pouvoir... analyser de façon scientifique et de façon rationnelle, sans du tout avoir une arrière-pensée que tout ça ce sont des hallucinations, tous ces gens qui vivent ces expériences. Parce que rien de plus terrible pour quelqu'un qui a vécu ça, qui devient l'expérience de sa vie, de ne pas pouvoir le communiquer à l'autre. Et ça, il faut qu'on puisse le faire, nous, les soignants, les infirmiers, les personnes qui sont tout autour de ces gens qui se réveillent d'anesthésie générale, comme ici, ou alors de coma ou de mort provisoire. Donc je suppose qu'au fur et à mesure, vous êtes passé d'une science matérialiste à une science à la physique quantique, en fait. Vous êtes de plus en plus intéressé à ça, forcément. Force est de constater que la pensée matérialiste vole en éclats devant tous ces témoignages. Parce qu'on a maintenant la preuve bien scientifique que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, on a une conscience. Et il se trouve que cette conscience est encore plus performante que lorsqu'on est éveillé avec notre état normal. Donc, en fait, notre cerveau se comporterait comme un filtre de conscience. Une fois libéré, on aurait une conscience beaucoup plus performante, on serait capable de voyager dans le temps et dans l'espace. Puisque ces personnes sont aussi capables non seulement de décrire ce qui se passe autour de leur corps, au moment des réanimations, ou au moment de leur coma prolongé, et elles peuvent aussi se déplacer pour voir ce qui se passe dans une autre pièce, voire à des kilomètres de là. Il y a des témoignages de personnes qui ont vu à des kilomètres de l'endroit où leur corps terrestre était ce qui se passait. Et puis on a pu vérifier après que ce qui se passait, eh bien, c'était bien ce qu'elles avaient vu. Donc c'est pas parce qu'on n'explique pas qu'on doit dire tout ça n'existe pas, il faut vérifier, c'est pas possible, donc il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans le témoignage. Non, pourquoi ? Il faut changer de modélisation de pensée, c'est tout. Oui, et la science a le droit d'évoluer aussi. Moi je pense que la meilleure façon de se comporter pour un scientifique, lorsqu'il est dans l'honnêteté, c'est d'essayer d'intégrer toute une phénoménologie, même si elle est incompréhensible, et de proposer une modélisation. Et cette modélisation reste valable jusqu'à ce que
un autre phénomène vient la contredire. Normalement, c'est comme ça que la science devrait avancer. Elle ne devrait pas se bloquer sous principe que le phénomène en question ne rentre pas dans ses dogmes et dans ses principes que le phénomène n'existe pas. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et on le voit aussi quand des personnes sont dans le coma, donc pas forcément le corps transitionne, enfin l'esprit transitionne, mais c'est également, vous avez plein de témoignages, je suppose, de personnes qui étaient en coma et qui reviennent et qui partagent des expériences. Quelles sont ces expériences? Est-ce qu'elles sont communes? Est-ce qu'elles sont, elles ont des points communs? Souvent on entend parler de tunnels, de lumière, d'extase. Alors les témoignages des comateux, c'est différent. Il faut donc différencier les expériences de mort provisoire, où là le cœur s'est véritablement arrêté et on a la preuve maintenant que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner, il n'y a plus d'activité électrique. Et on peut aussi différencier de ces témoignages-là les gens qui ont vécu des comas. Il faut dire que la plupart du temps, dans les états comateux, il n'y a pas d'expérience. Il y a moins de 5% de gens qui rapportent des expériences. C'est très rare. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. The near-death experience, comme on appelle ça en français, NDE. NDE, near-death experience ou expérience de mort imminente. Alors moi, je les appelle plus comme ça, puisqu'on a la preuve que les gens sont dans un état de mort clinique. La mort clinique, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. On sait que dans les 15 secondes qui suit l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête. Donc toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque n'étaient pas proches de la mort. Elles étaient en état de mort clinique. Elles sont revenues de la mort et dans 18 à 20% des cas, elles nous racontent ce qui s'est passé. Dans 20%, selon mon étude, dans 18% d'après celle de Pien van Noemen, elle nous raconte ce qui s'est passé. Peut-être racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est toujours à peu près la même séquence événementielle. Les personnes sortent de leur corps, elles voient ce qui se passe autour d'elles, même à distance de leur corps. Et là, on a l'impression qu'elles quittent le mental, qu'elles quittent la conscience analytique, qu'elles ne soient plus capables de dire où elles se situent exactement dans le temps et dans l'espace. Elles passent dans un tunnel et elles sont complètement dans la conscience intuitive, celle qui nous relie à nos capacités extrasensorielles. C'est-à-dire qu'elles sont capables de prémonition, d'intuition, de télépathie. Elles sont capables aussi d'avoir des visualisations divines. Elles vont dans un tunnel. Ça, c'est pour les religieux, non? Des personnes qui sont religieuses? Oui. Alors, c'est plus de la spiritualité que dans la religion, je dirais. D'ailleurs, les personnes qui reviennent de ces expériences-là disent ça. Elles disent « je suis plus spirituel que religieux ». Vous entendez quoi par ça? Parce que j'aime bien définir le mot spirituel, parce qu'on entend plusieurs choses. Il y a une petite connotation assez négative quand même en France là-dessus. Sur la spiritualité? Oui. C'est un petit peu le sac... C'est une connexion plus large. Moi, que... Moi, je dirais que... La spiritualité, à l'inverse des religions ou des sectes ou des groupes à pensée unique dogmatique, n'a pas besoin justement de dogmes, n'a pas besoin de règles sociales, n'a pas besoin de hiérarchie. Être dans la spiritualité, c'est être connecté à l'univers entier, c'est se sentir intégré dans tout l'univers. C'est-à-dire que vous êtes relié à toutes les forces cosmiques et telluriques. Vous faites partie d'un tout. Vous êtes dans ce tout et vous êtes le tout vous-même. Donc à partir de ce moment-là, où vous êtes déconnecté de votre conscience analytique, vous êtes dans cet univers-là. Vous êtes dans la conscience intuitive. Et vous êtes capable de recevoir toutes les informations. Ouais. Donc ces personnes qui reviennent se sentent... vivent plus selon ça, en fait. Elles se sentent, elles ont moins de limites dans leur vie. Après, elles vivent quelque chose qui les a tellement, je suppose, grandi ou étiré. Exactement, c'est ça. Elles ont eu la notion de l'expansion de leur conscience. Mmh. Et après, elles sont dans une conscience beaucoup plus étriquée lorsqu'elles reviennent ensuite dans le corps, avec une terrible nostalgie de ce moment-là. D'entre eux me dit « Je sais que j'ai su, je ne sais plus rien. » Mais il savait qu'il avait su quand il était dans la lumière. Quand ils sont dans la lumière divine, quand ils sont donc avec les êtres chers qui viennent les accueillir, avec des guides spirituels, avec quelquefois des divinités aussi, qui leur disent non, c'est pas le moment, il faut revenir. Et là, ils sont terriblement nostalgiques. Alors c'est un petit peu vexant pour nous, parce que nous, on est très tristes de voir nos proches partir.
On est très triste de les voir aller vers la mort. On pense que c'est terminé la plupart du temps. On pense que qu'il n'y a plus rien, qu'on n'aura plus de contact. Mm-hmm. Alors qu'on voit maintenant que des contacts sont possibles avec des disparus. Mais en fait, ça, c'est une autre thématique, les contacts oui. médiumniques. Mais je pense que la médiumnité fait partie intégrante de l'expérience. D'ailleurs, les gens qui vivent cette expérience sont médiums. Ils voient les entités dans la lumière. Ils voient un proche disparu qui vient les accueillir, une mère, un fils, ou quelqu'un qu'ils ne connaissaient même pas. Ça, c'est intéressant. L'expérience de ce jeune qui voit une entité qui vient l'accueillir, qui ne reconnaît pas, qui ne connaît pas, et qui, ensuite, une fois revenu dans son corps, s'aperçoit que cette entité qui s'est présentée, c'est l'ancien petit ami de sa compagne actuelle qui est parti d'un accident de moto. Donc, il l'a reconnu. Donc, c'était bien la preuve que, de l'autre côté, les entités attendent et sont là pour montrer quelque chose. L'entité, c'est une âme, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, c'est une âme, c'est une reconnaissance de la personne qui était vivante à l'échelon terrestre et qui est reconnue de l'autre côté, avec une apparence physique, l'apparence qui était celle de son vivant au moment où elle était sur Terre. Et avec donc une communication, la plupart du temps, par télépathie. Qu'est-ce que cela montre sur notre cerveau, sur les pensées ? Ben, ça montre que le cerveau n'est finalement pas grand-chose. Et que tous les fantasmes... Ça va vexer certains. Oui, mais pourtant c'est vrai. D'ailleurs, on en utilise très peu. Mais ça montre que le cerveau nous joue des tours. Par exemple, certains chercheurs ont montré que en stimulant une zone bien particulière du cerveau qui s'appelle le gyrus angulaire, qui est situé à peu près ici, là, entre le lobe pariétal et frontal droit, et on arrivait à reproduire des impressions de sortie de corps. Mais c'est une vision otoscopique externe, c'est une hallucination. Ça n'a rien à voir avec la sortie de corps réelle. Parce que les gens qui font des sorties de corps réelles, ils sont non seulement capables de voir leur corps comme dans l'expérience, comme si c'était dessus, dessous ou sur le côté, mais aussi ce qui se passe à distance de leur corps. Et ça, aucune stimulation cérébrale est capable de reproduire ça. On peut vous stimuler, par exemple, une zone bien précise du cerveau et vous pouvez avoir l'impression qu'on vous touche la pulpe de l'index droit, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais c'est vrai. Donc notre cerveau nous joue des tours. Et tout ne s'explique pas par le cerveau. La conscience, c'est beaucoup plus important que cette explication neuronale d'échanges biochimiques entre deux neurones. La preuve, c'est que cette femme qui s'appelle Pamela Reynolds, qui a été donc opérée du cerveau pendant plus d'une heure trente, on a arrêté sa circulation cérébrale, on a refroidi son cerveau à 15,5 degrés. À cette température, aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre deux neurones, et pourtant, elle a décrit toute son intervention. La musique, hein, jusqu'à la musique que les chirurgiens avaient mis. Oui, les instruments qu'ils avaient utilisés, la conversation qui avait eu lieu entre le cardiologue qui était là et l'entourage. Donc tout ça, quand même, montre bien que lorsque le cerveau s'éteint, notre conscience continue. Elle est encore plus performante que lorsqu'il est allumé. Un petit peu comme un poste de télévision, en fait. On a l'impression, enfin je dis nous, pas moi, mais la majorité de mes collègues scientifiques ont l'impression que le programme est fabriqué par le poste de télévision. Alors que lorsque la télé plutôt est éteinte, le programme continue. Mais là c'est pareil, lorsque le cerveau est éteint ou cassé, eh ben, la conscience continue. Donc il faut dépasser cette vision matérialiste de la conscience neuronale. Je dirais qu'il y a une conscience extra-neuronale. Il y a un autre très beau témoignage récemment de Anita Moriani qui habite à Hong Kong, justement, que j'ai interviewé. Je vous ai envoyé le lien aussi parce que c'est magnifique. Hein. C'est une vidéo qui est en train de buzzer à 250 000 vues à travers le monde et qui explique cette femme qui avait un cancer, bon, elle avait plus que 36 heures à vivre, et puis qui a eu cette expérience et qui est revenue, et en moins de 4 jours, elle n'avait plus aucune de ses tumeurs, et les 21 tumeurs étaient parties. Et c'est dissous, donc il y a même une espèce de... Est-ce que vous avez vu ça, de guérison pratiquement instantanée et automatique aussi qui peut prendre place ? Alors là, c'est dans le cadre d'une expérience de mort provisoire. Donc oui. c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais les guérisons inexpliquées, il y en a beaucoup.
Un de mes patients avait un cancer au niveau de sa vessie. Première chimiothérapie, toujours pareil. Deuxième chimiothérapie, toujours pareil. Troisième chimiothérapie, toujours pareil. Quatrième chimiothérapie, plus rien. Il avait une métastase au niveau du foie. Il avait un cancer invasif au niveau de la vessie, plus rien. À tel point, le chirurgien, il se demande s'il ne s'est pas trompé de malade. Donc, je vais le voir et je lui demande ce qu'il avait fait, ce qui s'est passé. Et il me dit, je savais que j'allais guérir. Il était dans le positif. Je priais tous les jours. Mais je ne priais pas pour moi, je priais pour les autres. Et puis, il y a une chose que je ne faisais jamais, et je crois que c'est ça qui m'a rendu malade. Je n'écoutais jamais le 20h. Je n'écoutais pas les informations à la télévision. Je crois que c'est ça qui rend malade. Mais bon, il avait trouvé un moyen de se soigner par la spiritualité, par la psyché. Donc, il semblerait que la psyché est capable de nous rendre malades, mais aussi de nous guérir, à condition de savoir l'exploiter aussi. Donc, il faut qu'on apprenne, je trouve, à l'utiliser et à ouvrir ce potentiel, parce qu'on en a tellement plus que ce qu'on imagine. Et il y a tellement une plus grande intelligence aussi, il me semble, que nous-mêmes. Des fois, on est un peu arrogant de penser savoir. Oui, oui, absolument. On a un manque d'humilité. Surtout nous, les médecins, je dirais, les réanimateurs, les chirurgiens. J'ai discuté avec un chirurgien, il me dit, tu sais, moi, la maladie, c'est quoi ? Eh bien, la maladie, c'est un organe qui est malade, et il faut le réparer, et puis voilà, et puis point, c'est tout. Ben, ça ne va pas plus loin. Je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin. Un cancer, c'est comme un voyant rouge qui s'allume quelque part pour dire que ça ne va pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève le voyant rouge. On fait la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Mais on n'a pas réglé le problème, en fait. Et rien d'étonnant qu'après, un autre voyant rouge s'allume. Parce qu'on n'a pas réglé le problème. Il faut se servir de toutes ces médecines holistiques dites alternatives qui devraient travailler avec nous en complémentarité. C'est ça, c'est important, c'est un mot important, parce que des fois on a tendance d'être l'un ou l'autre. C'est pas une substitution, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Il faut arrêter quoi, ce truc de chasse gardée, quoi, parce que c'est au détriment du patient. Il faut que le patient soit bénéficiaire des deux, de la médecine, de la chirurgie, telle qu'on la conçoit à l'hôpital, et puis aussi d'autres façons de voir les choses, les médecines alternatives. Super. Cette bonne raison de croire en l'au-delà, oui. Dites-nous-en quelques autres. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Cette bonne raison de croire en l'au-delà, j'ai écrit ce livre parce qu'il correspond en fait à une demande. À la fin de mes conférences, des gens venaient me voir et me disaient « Ouais, docteur, j'aimerais acheter un livre pour des gens, enfin pour une personne en particulier, c'est un conjoint ou une maman, ou quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à ces choses-là. Et j'aimerais un livre qui soit simple, qui n'ait pas trop de termes scientifiques ni médicaux. » Et ce livre n'était pas fait. Donc je me suis mis au travail et j'ai écrit ce livre, Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, en sous-titre Le livre à offrir aux sceptiques et aux détracteurs, parce que j'avais envie, depuis toutes ces années, de leur répondre une fois pour toutes à leurs sempiternels arguments, qui sont toujours les mêmes, qui reviennent. Donc j'avais envie de régler ça. Donc ça se fait de façon originale, avec des questions-réponses par rapport aux sceptiques et aux détracteurs, parce qu'il faut que, une fois que ce livre sera lu, il ne faut pas le mettre dans la bibliothèque. Mon éditeur n'aime pas trop que je dise ça. Il faut le donner à quelqu'un. Voilà, ça fait moins vendre de livres, mais ça fait rien. Voilà. Ce qui est important pour moi, c'est que les idées soient diffusées le plus largement possible. C'est pour ça que mes conférences sont toujours... je refuse jamais qu'on les filme ou quoi que ce soit. Je ne suis pas du tout dans le business. Je veux que les idées soient diffusées le plus largement possible. Et moi, je ne suis qu'un maillon de la chaîne, en fait. Il n'y a pas quelqu'un de plus important qu'un autre. Et ça commence à bouger. J'ai des témoignages de médecins qui m'écrivent en me disant « Je suis médium, mais je suis médecin. » Mais il m'est interdit d'en parler. Donc peut-être qu'on va commencer à parler. « Je suis médecin, mais je suis aussi guérisseur. Je soigne avec mes mains. » Mais je ne peux pas le dire, parce que sinon le Conseil de l'Ordre va m'interdire l'exercice professionnel. Donc tout ça va changer. Je crois que ça s'accélère. 2012 est vraiment une porte d'entrée vers un autre monde, je crois. On dit que le monde va changer, mais moi je pense que c'est percevable. Le monde va changer, est en train de changer. On se dirige vers
des objectifs beaucoup plus humains, basés sur le partage, basés sur les choses caritatives. Donc je trouve que l'humain a fait des progrès en quelques années, c'est assez flagrant, quoi. Tout s'oriente dans ce sens-là. Et ça, c'est... Oui, c'est un très beau message pour finir cette interview. Merci beaucoup Jean-Jacques Charbonnier, merci de passer ce moment. Et puis c'est génial, on est à la salle de réveil, on est là, voilà. Ça se passe ici. Hein. On est ici et maintenant, mais demain on sera ailleurs et puis on sera dans un autre ici et maintenant. Génial, plein de bisous mes délicieux co-créateurs de Toulouse. Au revoir.